vous suis depuis longtemps et vous changez les sujets, ça dépend de quoi? De votre état d'âme ou de la situation économique ou politique? Sur mes œuvres, on peut voir que c'est des êtres humains qui sont perdus, qui n'écoutent plus, qui n'entendent plus, qui ne voient plus et qui sont déconnectés même avec eux, avec leur nature. Ils deviennent juste des débris d'eux-mêmes. Et quand je réalise mes œuvres, bah, j'essaie de comprendre moi-même. Donc, à travers les autres, je comprends mieux ce que je suis en train de faire. Parce que quand on réalise une œuvre, c'est un sentiment qu'on a. Et donc, une fois que ce sentiment est exprimé, là, elle peut être visible. Après, si on l'explique, elle peut être comprise aujourd'hui par certaines personnes. Si on ne l'explique pas, elle peut être peut-être incomprise pour d'autres personnes. Mais tout ça, c'est pas grave. C'est que quand on fait de l'art, c'est pas pour seulement aujourd'hui. C'est pour toujours. C'est que si nos œuvres ne sont pas comprises aujourd'hui, peut-être ils vont être compris demain. L'essentiel est que on a fait notre devoir. Alors il faut qu'on arrive à avoir un point commun qui fait que notre apport artistique, scientifique, ça arrive à servir quelque chose de concret aujourd'hui même. Merci à vous de mettre tout ça en place, de constituer cette équipe. On a beaucoup de chance de vous avoir en tant que, comment on dit, partenaire. Et nous aussi, ouais, on s'interroge. C'est ça. Moi, j'ai vu les changements que vous avez fait dans vos peintures depuis 2008 jusqu'à maintenant. Donc, c'est un travail pas seulement sur la peinture, mais intérieure. Donc, on les voit sous l'air. Parce que moi, je vois comme des robots, des choses démembrées. Donc, je me suis dit, ils voient le chaos dans le monde, peut-être. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui, exactement. Moi, par exemple, le chaos que j'essaie de matérialiser à chaque fois sur mes œuvres, c'est pas seulement le chaos extérieur. Il y a une série que j'ai eu à réaliser qui s'appelle La Métamorphose. Et je me suis inspiré juste sur un œuf cassé. Je l'ai contemplé pendant un moment et je me dis que ça, c'est intéressant de voir cet œuf cassé avec les débris. Donc je me suis dit que, ok, si l'être humain était un œuf, ah oui, et que son véritable être est en lui-même. Et s'il le perd, qu'est-ce qu'il devient? Un œuf cassé. Oui, il devient juste simplement une coquille vide. Ouais. En quelque sorte, un robot. Parce que bon, les robots, c'est juste des éléments avec une pile qui l'anime, qui est un programme. Donc si l'être humain devient un robot, bah, il devient insensible. Il ne va pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il ne va pas comprendre l'importance de son environnement. Il faut vraiment s'interroger pour comprendre. Pas seulement comprendre l'aspect physique, mais l'aspect métaphysique de la chose. Qu'avant, qu'on ne pouvait pas percevoir, on ne pouvait même pas comprendre qu'il y a des milliards de galaxies. Non, c'est la connaissance est accessible aujourd'hui. On peut être plus conscient de nous-mêmes et plus conscient de ce qu'on a aujourd'hui dans notre planète. C'est que nous sommes dans une planète où on a tout ce qu'il faut, mais on est en train de le détruire de plus en plus. Et c'est très bien qu'il y a des gens qui vont se questionner ou qui vont apporter des solutions pour que ça change. Même s'ils sont deux, il n'y a pas de problème. Peut-être demain, ils seront des milliers ou des millions ou des milliards. Ouais, il faut juste commencer. Parce que quand on réalise une œuvre d'art, peut-être ça ne se voit pas, mais c'est beaucoup d'énergie, c'est des années de travail. Moi, ça fait 23 ans que je pratique la peinture. J'ai jamais douté qu'un jour viendra que je vais servir quelque chose dans ce monde. Moi, je pense que même c'est ma raison d'être, c'est ma légende personnelle, comme Pablo Coelho disait. Ouais. Pablo Coelho disait que quand une personne vit sa légende personnelle, tout l'univers conspire à l'accompagner, à l'aider pour qu'il puisse vivre cette légende. Et moi, ma légende personnelle, je pense que c'est là. Et qu'aujourd'hui, j'ai une opportunité de le montrer. J'ai des gens qui sont sensibles à ce que je fais. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Je pense que l'objectif va être atteint aujourd'hui ou demain ou plus tard. L'essentiel, ce n'est pas le plus important. Parce que quand on travaille sur des projets qui concernent l'humanité, on ne se questionne pas sur le temps.